Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est rendu au chantier naval de Lagos, la capitale commerciale, ce jeudi, pour inaugurer des navires de guerre récemment acquis, ainsi qu'un bateau de défense pour l'arsenal de Victoria Island. Le bateau inauguré est le troisième de sa série à être construit par la marine nigériane. Dans son allocution, le président a rappelé l'importance d'une marine bien équipée. À l'heure où le Nigeria est en proie à la piraterie, notamment dans le golfe de la Guinée, il a exhorté le personnel à en faire bon usage. Nous devons noter que nous sommes dans une période critique où notre pays est confronté à une sérieuse baisse de nos revenus et aux défis de sécurité. Malgré ces défis, notre administration est très déterminée à faire en sorte que la marine soit bien soutenue afin d'assumer ses responsabilités statutaires. Muhammadu Buhari a chargé tout le personnel naval de maintenir le professionnalisme en assurant une bonne utilisation des plateformes nouvellement construites. Le nouveau navire de guerre nommé NNS Oji a été construit après les succès du NNS Adoni et du NNS Karadoua mis en service en 2016 par le président lui-même. Mercredi, le Sénat a demandé au chef de l'État de prendre en charge et de ressusciter le NNS Aradou, le plus grand navire nigérian construit en 1978, actuellement immobilisé.